Eh bien, salut à tous les amis, Cédric 6, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top comme d'habitude, les gars. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis en gendarmerie nationale. D'ailleurs, il y a mon petit collègue qui est dehors, là, rentre, hein, parce que comme vous le voyez, les gars, aujourd'hui, la météo, c'est pas foufou, hein. C'est de la pluie, c'est des nuages, donc je pense qu'on va éviter de faire trop de contrôles routiers. Aujourd'hui, les gars, nous sommes avec un petit Peugeot Expert. Oh là, gendarmerie nationale, donc vous le voyez, on va s'approcher au moment de monter dedans parce que là, si je m'approche sous la pluie, je vais être trempé, on va salir les fauteuils, sachant que ce véhicule est tout neuf. C'est une réalisation de Alkis que j'ai trouvé sur le site Urgence Mode. Les amis, avant de commencer cette petite patrouille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un gros like. Franchement, on m'explose la barre de like aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben pourquoi pas, hein. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux également. Et également, les gars, n'oubliez pas que la boutique Rixis est toujours ouverte. Le lien est en description. Et également, mon lien Instant Gaming. Alors, ce que l'on va faire là... T'es déjà trempé, toi. Bah, bravo. Ce que l'on va faire là, c'est que nous allons monter dans le petit véhicule. Hop, on va se dépêcher pour pas être tout mouillé. Ok, parfait. Allez, viens là, camarade. Donc, regardez, les gars, petit Peugeot Expert Gendarmerie Nationale, hein, du nom ELS, réflective, je ne suis pas certain, petite barre de défilement orange. Et puis aujourd'hui, notre mission, bah, tout simplement du police premier à marcher, enfin du gendarmerie premier à marcher, patrouille sur le secteur Sandy, Grepsid et Palais Tobé. Et ensuite, bah, on va se laisser mener au fur et à mesure des interventions, là où le vent nous mène. Donc c'est parti, on va commencer cette petite patrouille là. Hop, on va mettre les feux parce que là... C'est pas forcément foufou, donc il est conseillé de mettre les feux. Allez, on va rester sur Sandy pour le moment. Il y aura forcément une intervention qui va tomber, qui va nous mobiliser. Donc pour le moment, petite patrouille tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, lui, sous la pluie, là? Qu'est-ce qu'il fait sous la pluie, le monsieur? Bonjour, monsieur, ça va? Ok, bon, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. On va rester vigilant aujourd'hui, les gars, parce que la route est quand même humide, hein. Là, ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. Donc ça peut glisser. Si jamais il y a de l'essence ou des hydrocarbures qui sont sur la route avec de la pluie, ça devient ultra glissant et ça peut être la cause d'accident. Donc on va y aller mollo aujourd'hui. On va prendre toutes les précautions et puis ce sera impeccable. Il ne devrait rien nous arriver. Oh, les collègues, Fadjo poursuite. Ok, allez, c'est parti, on y va, les gars. Il y a déjà une première poursuite, un scooter apparemment qui offrait un refus obtempéré. On va aller voir ça. Alors, il serait pas sur la route là-bas. Ok, il arriverait vers nous, là. Ok, il part en direction de Grepsid. Bon, bah voilà, une première poursuite qui s'engage, hein. On commence fort. Petite poursuite pour commencer. Généralement, ça commence comme ça et après, ça ne s'arrête plus. On fait que des interventions non-stop. Donc, c'est parti. On part en direction de Grepsid, les gars, pour suivre un scooter. On commence sur les chapeaux de roue, là. J'ai pas un véhicule ultra rapide, mais si c'est un petit scooter, un petit 50 cm3, ça devrait le faire. Après, si on est sur du plus gros cylindré, une grosse moto, là, je ferai appel à des services un petit peu plus rapides. Et encore, il roule quand même relativement fort, là, ce petit scooter. Allez, je me dépêche, là. Alors, attendez, faut que j'arrive à le localiser. Ok, il est parti tout droit, normalement. Il est là-bas, je le vois. Je localise le deux roues. Il roule comme un fou. Ok, je viens d'arriver juste derrière lui là. Il n'est pas casqué, il n'est pas casqué. Donc ça c'est d'autant plus dangereux. On va rester derrière lui tranquillement. On va pas utiliser de manœuvre pour l'intercepter, les gars, parce que là si jamais je le blesse gravement, ça va être de ma faute. En plus il part dans un cul-de-sac, là-bas il n'y a rien du tout. Donc sauf s'il prend dans la montagne. Et là nous on va être un petit peu comme des idiots parce qu'il va réussir à nous semer. S'il va tout droit, il n'y a pas de souci. Ok, bah il va tout droit, donc ça c'est parfait. Il va arriver au niveau d'un parking et puis nous on va l'intercepter là-bas. Pour l'instant, je ne demande pas de renfort. Je sais pas s'ils m'ont engagé d'emblée ou pas. On va se l'intercepter tranquillement, ce petit scooter là. Hein, première intervention de cette patrouille. Ça commence sur les chapeaux de roue. Allez. Voilà, là, bah forcément, mon grand, là, tu vas sur du chemin où c'est un petit peu plus compliqué d'avancer avec ton petit scooter. Hein. On reste derrière lui tranquille. Hein. Il est en train. Oh là, il est en train d'user ses pneus. Ok, d'accord, il fait demi-tour, il fait demi-tour.
Comme ça, je vais demander des airs et ça laissera le temps aux collègues de s'installer. J'imagine qu'il y en avait d'autres qui étaient en transit sur la zone. Hein. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il a tapé le rebord du pont, il a tapé le rebord du pont. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous. Vas-y, tu me le prends, tu me le prends. Ok les gars, là l'individu part en courant, l'individu part en courant. J'ai mon collègue qui y va. Il y a les collègues qui sont là-bas là, qui vont nous rejoindre je pense. Ok c'est parti, il est là-bas l'individu, mon collègue est ici. Vas-y je le prends, je le prends. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, on va pas taser sous la pluie les gars parce que c'est trop dangereux. Ok, on évite de taser sous la pluie, hein. Parce que eau et électricité, vous savez ce que ça fait. Arrêtez-vous! Ah, punaise. Ok, là, je vais la voir. Arrêtez-vous, gendarmerie. Allez, coopérez, là, coopérez. Mettez les mains en évidence. Allongez-vous au sol. Je veux pas savoir que ce soit mouillé ou pas, vous allongez. Impeccable. Ok, je l'interpelle. Ok, super, les gars. Fin de poursuite. On a interpellé l'individu. Oh, j'ai une tache de naissance sur le visage, moi, c'est quoi ça? Ok, hop, palpation de sécurité, et puis c'est parti, on va le mettre dans le véhicule. On le transporte au niveau de la gendarmerie la plus proche. Ça va certainement être Palais-Tobé, là. D'accord, il a rien sur lui. Contrôle FPR, et puis on va le foutre dans le véhicule, parce que là, il pleut. Je sais pas si jamais je peux le mettre dans ce véhicule-là. Si Alkis a bien bossé, normalement, je devrais pouvoir installer. S'il n'a pas bien bossé, normalement, je ne devrais pas pouvoir installer. Allez, installez-vous, monsieur, là. Alors pourquoi est-ce qu'il ne monte pas? Hop, véhicule. Ok, d'accord. Ah, il n'y a qu'une porte qui fonctionne. Hop. Allez-y là. Installez-vous dans le véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Oh, ok, très bien. Oh, bah, il redescend. Bon, bah, je vais pas m'embêter avec ça. Moi, je demande un transport, les gars. Donc, je vais demander une unité de gendarmerie supplémentaire. Hein. Hop, parce qu'il veut pas monter. Ce n'est pas un bug du véhicule, c'est les Speedy FR qui fait ça depuis un certain temps. Où les suspects montent et ils descendent. Je sais pas pourquoi. Hein. Ok, regardez, les collègues arrivent. C'est parfait, c'est parfait. On va attendre qu'ils embarquent l'individu. Et puis nous allons reprendre la petite patrouille. Hein. Il est là-bas. Ok, super. Regardez, on voit même les gyros qui reflètent dans les gouttes. C'est magnifique. Je trouve ça super stylé. Bon bah impeccable les gars, pour nous c'est une fin d'intervention. Oh là, oh là, oh là, il rame. On va juste faire un petit petit dépanneuse sur le scooter si le collègue qui a mis les airs ne l'a pas fait. Ah bah il est encore là le scooter. Ok. Je vais demander une petite dépanneuse hein, histoire de pas le laisser là. Parce que là le monsieur va se le faire voler. Un petit plateau. Hop. Parfait. Eh ben impeccable les gars. Nous ce que l'on va faire c'est que nous allons retourner direction la ville. Donc on va aller sur Grepsy dans la commune la plus proche. Faire un petit tour là-bas. Et puis ce sera largement bien. Donc voilà, première intervention, petite course poursuite d'un petit scooter. Ça c'est bien fini, hein, il s'est planté tout seul. Donc maintenant on va patrouiller sur Grepsy, toujours au cœur de la forêt. Hein. Hop, excusez-moi. Impeccable, merci. Oh, les petits animaux, on reste vigilant. Très dangereux les animaux sur la route. Il roule pas, j'aime pas ça. C'est trop lent, c'est trop lent. Oh, le stop là. Alors on va pas le contrôler les gars. Ils ont de la chance, c'est parce qu'il pleut. Mais sinon j'aurais fait un petit contrôle moi. On se serait mis à l'abri sous le pont là. Mais ils ont de la chance. Ok, donc je suis toujours disponible pour les interventions là sur la commune de Grepsy.
On va aller en centre-ville faire un petit tour. Pourquoi j'ai que des interventions pour des vols de véhicules? On va aller poursuivre un tracteur, les gars. Après avoir poursuivi un scooter, on s'attaque à un tracteur. Là-bas. Ok, hop, laissez-moi passer. Ok, attention aux bêtes. Oh là, oh là, il y a des animaux qui traversent n'importe comment, là. Il est où, le petit tracteur, là? Il a pris à gauche. Excusez-moi, pardon. Ok, le tracteur est parti par là-bas, les gars. Est-ce qu'il va prendre le même itinéraire que le scooter? Je ne sais pas. Ce qui serait dommage, c'est qu'il prenne l'autoroute, hein. Ok, gendarmerie, arrêtez-vous. Oh là, oh là, oh là. Ok, il s'est planté. Ouais, bon, c'est un tracteur, donc il passe un petit peu partout. Ok, les gars, je suis derrière le tracteur, là. Comment allons-nous l'interpeller? Je vais demander des hers, tout simplement. Et puis, on va essayer de crever les pneus, mais je ne sais pas si les hers peuvent crever les pneus d'un tracteur. C'est vraiment une question que je me pose, hein, pour de vrai, en plus. Il va où, là? Il retourne en centre-ville, il retourne en centre-ville de Grepsid. Il traverse l'autoroute comme un fou avec son scooter, hein. Avec son tracteur, pardon. Là, ce n'est plus un scooter. On a changé de gabarit quand même. C'est plus le même type de véhicule, hein. Ça va pas être aussi marrant. Allez, je demande de nouveau des hers en espérant qu'ils me les positionnent au bon endroit. Ok, impeccable. Ils me les ont bien positionnés, là. Je vois les gyros. Ok, ok. Ok, il est passé dans les hers, les gars. Oh yes! Les hers ont explosé les pneus. Ok, voilà, coopérez là. Allez, mettez-vous au sol. Mettez-vous au sol tout de suite. Coopérez avec mes collègues. Vas-y, interpelle. Vas-y, vas-y, passe-lui les menottes. Ok, les gars. Ok, fin de poursuite. Hop, je stoppe le trafic dans la zone. Là, lui, tu me fais une palpation de sécurité. Je fais un contrôle officier des personnes recherchées, vite fait. Là, le tracteur. Contrôle activé. Je demande une dépanneuse, un plateau. Je range mon arme, on n'a pas besoin. Il a rien sur lui, ce monsieur. Et je demande un police transport. Est-ce que tu peux m'emmener l'individu, s'il te plaît? Parce que moi, dans mon véhicule, ça va pas être possible, hein. Ok, parfait. Bon. Impeccable, là le collègue qui est présent va venir, enfin va l'embarquer, la dépanneuse va arriver pour emmener le tracteur. Pour nous les gars, ça va être impeccable, on va se remettre disponible en patrouille. Mon collègue va monter là, regardez, il y a encore une troisième patrouille qui se présente sur place, de l'autre côté. Ok, la dépanneuse va arriver, elle est là-bas. Oula, elle arrive pas où la dépanneuse là? Ah, il y avait une intervention que je n'ai pas pu prendre là. Alors, on va attendre. Regardez tous les véhicules de gendarmerie qui arrivent, les gars, il y en a plein. Il y en a un paquet. On attend que tout soit prêt, tout soit fini. Ok, fin d'intervention, on rétablit la circulation. Tous les véhicules ont été évacués. Impeccable. Oh là, attention aux bêtes. Ok, bah c'est parfait. Pour nous, nous sommes de nouveau disponibles sur la commune de Grepsid. Nous avons fini cette deuxième intervention qui a été également une course-poursuite. Allez, maintenant, j'aimerais bien faire d'autres interventions que des poursuites. Ce serait sympathique. On va aller en centre-ville, hein, faire un petit tour, histoire de voir ce qu'il se passe. S'il n'y a rien d'anormal... Ah, j'ai pas de manette. Mes manettes bug. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il faut mettre un plugin à jour ou quoi. Mais je sais que mes manettes bug. Je ne peux pas utiliser mes manettes. Elles me font aller dans tous les sens. Alors pour quelle raison, je n'en ai aucune idée, les gars. Mais voilà, pour le moment c'est bloqué. Oh là, il y a des animaux partout là. Ils sont sortis avec la pluie, hein. Alors petit tour dans le centre-ville de la commune de Grepsid. Je vois rien de particulier, rien d'anormal, hein. Ça m'a l'air d'être relativement calme aujourd'hui. Mis à part les fous du volant, il n'y a pas d'autre appel. Citizens reporting a 415 driving a off-road vehicle on Seaview Road. Ok.
Un véhicule qui roulerait en dehors de la route. Eh ben on va aller voir ça, les gars. On va aller voir ça, ce serait juste à côté de nous en plus. On nous a signalé un véhicule qui roulerait pas sur la route. Il est où ce véhicule? Il est là. D'accord, ok, bon. Bonjour. On va faire un petit demi-tour et puis on va le contrôler, les gars. Donc j'avais dit qu'on ferait pas de contrôle, mais là, ça va avec l'intervention, on aimerait bien savoir ce que fait ce véhicule-là. À cet endroit-là, surtout. Allez, sur le bas-côté, s'il vous plaît. Voilà, sur le bas-côté, tranquillement. Impeccable. Je fais un petit contrôle au fichier, les gars, du véhicule. Ok, il y a une odeur de stup à l'intérieur. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie nationale. Donnez-moi tous les documents du véhicule, s'il vous plaît. Ok, merci. Kate Black. Ok, Kate Black. Donc, elle n'a pas voulu me donner la preuve de l'assurance, donc je vais regarder directement. Ok, les gars, ça sent le stupéfiant et l'alcool dans le véhicule. Elle n'est pas connue du service de police. Est-ce qu'elle a son permis? Oui, elle n'a pas de permis de port d'armes. Ok, très bien. Le véhicule, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Pas l'assurance. Carte grise expirée. Véhicule volé, non. Bon, bah voilà. Le véhicule est éclaté à l'avant gauche en plus. Le pare-brise est cassé. Ok. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, madame, là? J'ai besoin de boire pour rester concentré. Est-ce que vous avez consommé du stupéfiant? D'accord, ok. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez d'où? J'ai le droit de garder le silence. Ok, bon. Je vais vous soumettre à un dépistage d'alcoolémie, madame. On lui fait un petit test d'alcoolémie, les amis. À l'issue, ça m'étonnerait qu'il soit négatif, hein. Ok, c'est bien, bien positif même. Un petit test de stupéfiant, un petit dépistage. J'ai demandé un équipage supplémentaire. Ok. Ah, ils m'ont engagé la BMO. Ah, c'était pas ça que je voulais, moi. Bon, c'est pas grave. Allez, sortez du véhicule, s'il vous plaît, madame. Ok, les gars, ils m'ont engagé la BMO, là. Moi, je voulais un équipage gendarmerie. Suivez-moi, madame. Allez, venez avec moi, on va se mettre sur le côté, tranquillement. Salut, bah, ils m'ont engagé toi, alors que moi, je voulais plutôt un équipage gendarmerie nationale. Venez là, venez là. Ok. Bon, allez. Palpation de sécurité. Ouais, j'aurais bien demandé un équipage féminin. Allez, j'ai demandé un équipage féminin là. Donc ils m'ont engagé la gendarmerie nationale. Par contre, là, les gars, il va falloir éviter de se percuter devant nous. Ok. Ok, parfait. S'il te plaît, c'est par ici. Regardez les gars, il y a pas mal de véhicules mobilisés, hein. Un simple contrôle routier qui tourne à tout ça. Ok, permis de surveillant. Vous allez changer de surveillant, les gars. Je veux que ce soit elle qui la surveille, qui me la prenne. J'ai fait quoi là? Ok, il l'interpelle. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ok, parfait. Ok, c'est la femme qui va s'occuper de la palpation. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà, tu me palpes la personne là. Ok, trois pilules non marquées, point américain, un petit jerrycan avec du liquide suspect incolore. Ah, très bien. Très bien, très bien. On va regarder ce que c'est. Trois pilules non marquées, qu'est-ce que c'est? On va essayer de déterminer les substances qu'elle avait sur elle. Positif à la Molly. Très bien. Un petit jerrycan avec du liquide suspect incolore. Ok. Elle a du PCP sur elle. Et du. Donc en gros, elle a de la MDMA et du LSD. Ok, bah très bien. Ce sont tous deux des stupéfiants très dangereux pour la santé. Bon, bah c'est parfait ça. La personne est interpellée. Tu me la menottes, s'il te plaît. Parfait. Le véhicule, je vais procéder à une fouille très minutieuse. Donc là, les gars, on est en train d'approfondir le contrôle au maximum, hein. D'accord. Une batte de baseball, une Fedora, une bouteille d'eau de Javel. Bon, bah très bien. Allez. Ça, c'est fait. Bah, madame, allez.
Police transport, tu me l'embarques s'il te plaît. Hein, tu me l'emmènes. Gendarmerie 210 short. Hein. Le véhicule lui est dépanné. Un petit plateau. Et puis pour nous les gars, c'est impeccable, ça va être un retour en patrouille. Hein. Pour la BMO, bah merci. J'avais pas forcément besoin de ton aide, mais merci d'être venu quand même. Hein. Et on va se remettre au chaud dans notre véhicule avec notre petit collègue. Eh ben parfait les gars, on a interpellé une personne qui était en possession de stupéfiants. Et j'avais jamais fait ça, c'est-à-dire dès qu'il y a des substances indéterminées sur eux, je les passe à mes détecteurs qu'il y a dans mon véhicule. C'est des petits trucs qui permettent de réagir. Et au moins je peux déterminer les substances qu'ils ont sur eux. Et ça c'est très bien. Ok, bah c'est bon. Fin du contrôle pour nous. Retour en patrouille. Ok les gars. Voilà. J'ai l'intervention qui vient de tomber là. On me demande d'aller interpeller quelqu'un. Joshua Ortega. Joshua Ortega, comme ça. Ok. On va regarder. C'est ce que j'ai des informations sur cette personne. Il est recherché. Assaut aggravé dans 3 cas. Ok. Il habite sur Grapeseed en plus. Eh ben c'est très bien ça. On va aller voir au domicile de cet individu les gars. On doit l'interpeller donc c'est parti, on y va. On va y aller comme ça hein. On ne va pas se prendre la tête. Ok, donc ça m'étonnerait pas que ça finisse en poursuite hein. On va y aller. Je peux toujours pas taser donc si jamais il part en courant là, va falloir se débrouiller. Alors ce serait dans les pavillons qui sont là. On va se mettre juste devant, vous savez quoi. Ok. Je demande tout de suite, moi. Hop. Des renforts. Donc je vais demander le psyg, les gars. À mes côtés, là. Je demande un équipage du psyg. Comme ça, ils pourront... Oh là. Ils pourront venir m'aider sur la poursuite. Regardez, il y a un charan psyg qui se présente sur la zone. Parce que là, ça m'étonnerait pas que l'individu parte en courant. Et au moins les interpellations avec le psyg, je sais que ça se passe toujours bien. Ce sont des experts de l'interpellation. Ok, parfait. En plus, ils arrivent casqués. Ok, allez, on y va, les gars. Je vais redemander un deuxième équipage. Mais avec... Ouais, vas-y, je redemande un psyg. Ok, il y a encore d'autres collègues du psyg qui arrivent. Là, il y a un individu là-bas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale. Ok. Voilà. Coopérez, mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît, là. Il y a pas mal de gendarmes qui sont autour de chez vous, monsieur. Vous êtes cerné, dans tous les cas. Eh ben, c'est parfait, ça. L'individu est appréhendé. On a réussi à l'interpeller. Il a coopéré avec nous. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que... ça me fait ça. Ok, c'est bon. Il est interpellé. Allez, palpation de sécurité. On est à l'abri sous son porche. Donc ça, c'est impeccable. Palpation, les gars. Je fais un contrôle au FPR. Il y a les psygs qui sont sur place. Hein. Une petite bouteille contenant un liquide clair. Très bien. Contrôle FPR. Les gars, vous me l'évacuez, s'il vous plaît, là, un des membres du psyg. Oh, il est recherché. Oui, bah ça, je savais, je suis bête, moi. Je réagis comme si je le savais pas. Ok, déterminé substance. Hop, un petit liquide clair. PCP. Est-ce que ça va être ça? Positive. Bah, c'est du PCP. Encore du stup, hein. Voilà, impeccable. Regardez, les hommes de... du psyg embarque l'individu qui est interpellé. Donc ça c'est génial. Allez, vous allez monter dans le véhicule de mes collègues, monsieur. Bah pour toi, franchement, merci, c'est bon, impeccable hein. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit trois dans les véhicules et non tout seul. Il est où mon collègue là? Il est là-bas. Allez, viens là camarade. Et bah pour nous les gars, franchement, c'est pas trop mal aujourd'hui. On a fait quatre petites interventions dont deux poursuites hein. Voilà, c'est où ça?
Voilà, c'est grave, ça, c'est loin. Mais bon, pour nous, ça va être une fin de patrouille, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis, nous allons nous retrouver demain hein, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, portez-vous bien pour ce mercredi après-midi. On se retrouve demain. C'était Drixis. Ciao, bye bye.